الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernière fois, nous finissons apprendre concernant Ashabul Jannah, c'est-à-dire les histoires de bons compagnons qui possèdent un jardin. Nous finissons trouver comment ça va une personne là, dans le surah Qalam, naturellement. Nous finissons trouver comment ça va une personne là, qui hérite un jardin depuis votre parent, votre papa. Et votre papa, tu as habité ici à Sadaqa pour bons pauvres, quand ce papa, votre papa, tu peux faire récolte. Papa là, tout le temps, tu peux tirer de côté une partie pour ban pauvre. Alors, quand ça ban garçon là, papa fin mort, ban garçon fin hérite sa jardin là, les temps je peux faire récolte, je fin causer entre eux, je dire, nous besoin al casse nous ban fruits, faire récolte tout le matin avant qu'il ban pauvre vini. Alors, tu as envie, je pas, tu as envie d'un ban pauvre, soit d'accord, depuis sa récolte là. Alors, dans la nuit, Allah, ta'ala fin envoie un jifé, qui fait une détruire ce jardin quand je trouve bien je verger. Alors quand fin arrive ça, les là je te fin rendre compte qui je tiento, je fin reconnaître je erre et je fin retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, je fin diman pardon. Ça c'était jusqu'à verset 33 de sourate Qalam. Pour aujourd'hui inshallah, nous guette verset 34. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الله تعالى جي certainement pour ban muttaqin, ban kina taqwa. Taqwa c'est quoi? Taqwa c'est une qualité d'un djimoun qui, sa qualité là veut dire li reste loin avec ban péché et li tout le temps présent dans ban obligation qu'Allah Ta'ala impose l'oli. Taqwa c'est quoi? Taqwa qui généralement nous traduit comme la crainte d'Allah. Mais si nous explique un petit peu plus ça, taqwa là, sur l'origine, soit depuis le mot wiqaya, ou bien waqaya qui, wiqayatan, veut dire protection. Veut dire c'est une qualité d'un djimoun qui fait aller reste dans l'obéissance à Allah, et il reste loin avec désobéissance à Allah, et ainsi, sa latitude là vient une protection pour lui contre le feu de l'enfer, contre Allah se coller. Donc, ban qui est dans sa qualité là, ban qui présente Allah sur l'obéissance, ban qui reste loin avec Allah sur désobéissance, appelle ça ban muttaqi. Allah peut dire pour ça ban muttaqin, inna lil muttaqin, certainement pour ban muttaqin, inda rabbihim, auprès de ce rab. Veut dire, dans sa dunya là, plaisir peut dans sa récompense, veut dire, l'insignifiant. Vraie récompense côte Allah. Inna lil muttaqin inda rabbihim, auprès de cet Rabb. Jannatin na'im, ban jannat, ban jardin. Le mot janna, dans la langue arabe, janna, nous avons le mot djinn, nous avons le mot djinnan. Janna, ça mot djinn avec nous, il a un sens de cacher. Par exemple, djinn, quand on dit djinn, nous ne trouvons pas djinn, c'est quelque chose qui cachette, nous ne trouvons pas avec nous léger. Djinan veut dire l'équerre. L'équerre, c'est pareil, il y a quelque chose qui donne à l'intérieur de nous, nous pas trouver. Appelle ça djinan, un autre mot pour qalb. C'est l'équerre, appelle-le djinan. Djannan, c'est ban jardin qui est tellement, il y a beaucoup verdure, végétation, nous pas trouver à l'intérieur. Hein, qui est un verger, qui te tout, il y a beaucoup ban plant, ban zob, qui touffu, alors nous pas trouver à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle djannan, un jardin, et il est plein de végétation. Jannat in Na'im, c'est ban jardin côté na Na'im. Na'im, c'est ce qui nous dit bliss, veut dire contentement, la joie. Seulement, il y a seulement la joie, il n'est seulement contentement. Allah veut dire, pour ban muttaqoun, pour ban qui n'a taqwa de zot l'ekir, auprès de zot rab, il y a ban jardin. Dans sa jardin là, il y a un Na'im, il y a la jouissance, il y a contentement, il y a satisfaction. Puis il y a maladie, puis il y a tant de mauvais causés, peine la haine en bas du monde, tout qui chose qui bon et n'a sa jannah. Ça c'est récompense de ban muttaqin. Allah Ta'ala dit afanaj'alul muslimina kal mujrimin, est-ce qui nous peut considérer ban muslimin, ban croyant pareil comme ban mujrimin? Le mot mujrim, jarima veut dire crime, ban criminel, ban pécheur.
Allah Ta'ala peut dire afanaj'alu al-muslimin, est-ce qui nous pour considérer ban musulman pareil comme ban mujrimin, comme ban criminel? Mais dire sa question là, pour sa question là, Allah peut dire non, il n'est pas pareil ça. Musulman et ban criminel, ban muslim, ban qui soumet à Allah. Muslimin c'est quoi? Al-islam c'est quoi? Al-islam c'est la soumission. Soumettre à Allah seul l'autre. C'est ce qu'on appelle al-islam. Dans même racine, ça mot islam, là, nous avons le mot salam. Salam veut dire la paix. Al-islam, c'est al-istislam ou lillah. C'est la soumission à Allah sur ban l'autre. Ban qui soumettent à Allah sur ban l'autre. Ban jimon qui soumettent à Allah sur ban l'autre. Allah veut dire, il n'est pas pareil. Allah pose une question. Allah veut dire pas pareil. Allah, est-ce qu'il nous peut faire eux devenir pareil? Est-ce qu'il nous peut considérer eux comme musulmans et ban mujrim pareil? Alors sa question là, sa réponse claire, elle est claire. Mais déjà, appelle ça istifham inkari. Par exemple, nous disons du monde, vous pas tu jettes pas faire ça. Nous disons du monde, vous pas tu jettes pas faire ça qui chose là. Mais déjà, vraiment tu dis ali. Tu finis d'y aller. Alors ici, sa question là, veut dire une négation. Veut dire musulman et ban qui fait jarima, ban mujrimin, ban mujrim, ban criminel, ban qui désobéit à Allah. Je ne suis pas pareil. Allah peut dire, ne pas faire je suis pareil. Malakum kaifa tahkumun. Qui est arrivé, je donne un jugement. Qui est arrivé, je donne un jugement pareil. Alors, ben, vous facilitez, je dis, tiens, là, c'est un ban, mushrikin, je peux dire comme ça qui, beda dunya, dans dunya, nous, Allah donne nous plus qui ça va le musulman, là. Ça va le polythéiste de Makkah. Je suis riche, pas oui. Tu en as beaucoup, ben, qui riche, et ben, musulman, en général, je suis défavorisé, je suis pauvre, tu peux subir la persécution. Alors, tu es un ben, polythéiste qui, tu peux dire qui, ben, nous, dans dunia, ben, polythéiste, ben, koufar de Makkah, je dis, à l'un de nos supériorités, nous sommes musulman, là. Ben, dans akhirat aussi, pareil, Allah peut donner supériorité, aux autres. Même s'il n'est pas donné cette supériorité, at least, nous, pareil, comme un autre. Alors, sa parole-là, sa explication-là, un de nous facilite, nous il mentionne ça, il dit qu'il est sa contexte-là, Allah fin révèle sa ban verset-là. Quand fin est ban polythéiste, et fin dit qu'il, dans dunya nous supérieur ban musulman, mais dans akhirat, c'est pareil, Allah pour donner supériorité. Donc, il y a ban polythéiste qui t'y croit dans akhirat. Il y a ban polythéiste qui t'y croit dans akhirat aussi. Alors, je dis, ben, si toutefois Allah pour les venus d'akhirat, nous pouvons être supériorité de ban musulman, même si nous pas supérieurs, at least nous pouvons pareil. C'est même qu'Allah va la pédir, nous pas pour faire je viens pareil. Malakum kaifa tahkumun. Comment je suis capable d'un jugement pareil? Alors, pareil, de sa dunya là aussi pareil, quand nous réfléchis, un musulman, il est capable d'être, par exemple, il peut trouver un tel, lien mushrik, lien mauvais djimoun, lien d'un mauvais la vie, mais seulement, qui peut arriver, il peut jouir de sa dunya là. Il n'y en a pas un million. Combien d'exemples il y en a comme ça? Il y en a la santé, il y en a les enfants, il y en a le bon travail, il y en a tout ça qui l'érodé et il y a une grande zalim. Et il me fait dominer avec Jimoun. Un qualité dominé qui est vraiment impensable. Mais c'est moi qui lui peux jouir de toute bonne faveur. Alors, attention dans le pensée qui est, n'a gagné doute dans les qui est, non. Allah Ta'ala peut donner de sa dunya là, la consacre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si sa dunya là, ou kanat dunya ta'adilu janaha ba'udatin, ma saqa kafiran shurbatama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dunya là, s'il est égal, un côté les ailes d'un moustique, pas déjà des les ailes, un côté les ailes d'un moustique, Allah, il est égal, il est en valet, sa dunya, il est en valet, de les ailes d'un moustique, d'un regard, Allah, pas tu peux donner un kafir, un gozi de l'eau. Allah pas tu peux donner un kafir, un gozi de l'eau. Mais tiens, la cause est prénom valet, qu'Allah donne ça, ben, qu'il est content et ben, qu'il est pas content aussi. Donc, Allah Ta'ala peut dire, malakum kaifa tahkumun. Comment je suis capable de juger comme ça? Qui je peux dire, ben, qui soumet à Allah et ben, qui pas soumet, je suis pareil. Allah dit avec sa ban qui peut dire, ben, parole pareille. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Est-ce qu'il y a un livre dans lequel je peux apprendre? Veut dire, je peux gagner un jugement pareil. Allah Ta'ala peut deny sa ban kafir là. Allah dit, est-ce qu'il y a un livre dans lesquels je peux apprendre ban jugement pareil, pour faire ban jugement pareil, qui, même logiquement, n'est pas acceptable. Un qui soumet avec un qui pas soumet, pas capable pareil.
إن لكم فيه لما تخيرون. Est-ce qui dans sa livre que je peux prétendre, si toutefois je peux dire dans un livre, dans sa livre là, je te permets de même choisir ce que j'ai envie. Allah Ta'ala donc peut réprimander sa manne de jugement que je te fais là. Allah redit encore, Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm al-qiyamah. إن لكم لما تحكمون. Est-ce qui je fais une promesse avec nous, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres mots, qui, basant l'eau-là, je peux faire un jugement pareil. Donc, Allah ta'ala peut dénier ma quitteuse pareil. Allah ta'ala peut dénier ma quitteuse qui, je fais dire, qui, Allah ta'ala peut dire, est-ce que je fais une promesse depuis nous, je fais une covenant avec Zut, je fais une dire Zut, qui, voilà, Zut et ban musulman pour pareil, Allah ta'ala peut dénier ce que je peux dire. Allah dit, Salhum, ayyuhum bidhalika zahim. Au Nabi, dis-moi ça va le mouchlikin là. Qui s'en là qui est capable d'une garantie, qui vient une parole, une promesse depuis Allah, qui dans l'akhirat, zut et ban musulman pour pareil. Donc, cela c'est une parole que Allah voilà, peut dénier, je claime que je fais une faire. Allah dit, Amlahum, est-ce qu'il s'en mouchlik là? Amlahum shuraka, je n'ai pas associé, mais j'ai pas associé, qui zou kiyama, sa ban associé là, veut dire ban idole, ban fausse divinité, je n'ai pas de divinité, qui le jour du kiyama, sa ban divinité là, pour faire zut gagner sa jugement là, qui se pour pareil, comme ban qui n'obéit à Allah. Am lahum shuraka, fal yatou bi shuraka ihim in kanu sadiqin. Est-ce qu'il ban là, il n'a pas associé, qui ne donne sa garantie là, qui se pour pareil, comme ban musulman, je n'ai pas de shuraka, ban porté avec Allah, qui pour donner sa jugement là le jour du kiyama. Allah dit, qui je t'amène, je te ban associé, je te ban partner, je t'associe avec Allah, si vraiment je te véridique. Donc, ce ban parole là, c'est pour dénier ce qui ça ban kafir là, fin dire, qui ban mujrimine, ban criminel, ban polythéiste, pour pareil comme ban musulman. Léla Allah ta'ala dit, yawma yukshafu an saq, le jour que les pieds pour être dévoilés. Je peux expliquer qui veut dire sa expression là. Yawma yukshafu an saq. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ et je peux être invité pour faire sijda. فَلَا يَسْتَطِعُونَ et je ne peux pas faire sijda. Veut dire le jour du qiyama qui peut arriver, يُكْشَفُ عَنْ سَاقْ. Sa parole-là, les pieds. Sark veut dire les pieds. يُكْشَفُ veut dire dévoiler, découvrir. Le jour qui les pieds pour découvrir. Il y a deux façons qui vont nous faciliter, qui expliquent sa parole-là. Un, je te fais dire que sa expression-là dans la langue arabe veut dire. Quand il mentionne les pieds pour être découvert, il veut dire un jour de difficulté. Beaucoup de difficultés pour une. Pareil que moi, dans la langue créole, nous dit, un besoin retouche nous l'avance là. Il veut dire un travail lourd, un travail dur pour faire. Une expression nous servit, il besoin retouche l'avance. Il besoin mettre la main dans la pâte. Il veut dire un travail, j'ai tout besoin d'un coup de main. Cette expression, ça, comme mentionné, pour moi, Allah a mentionné dans le surah Qiyama, ou al-taffati saq ou bisaq. Allah a fait décrire. Sakrat. Allah dans surah Qiyama, il décrit un djimoun qui est sakrat. Allah dit, waltafati saq bisaq. Les pieds pour jouer avec les pieds. Et là, ben, Moufassirin, je dis ça, les pieds pour jouer avec les pieds, veut dire, pour y avoir beaucoup de difficultés, le djimoun qui est sakrat, là. Ici, il peut dire, le jour que ça peut être dévoilé. Et là, dit, ça joue là, un jour de difficulté. Il y a une façon d'expliquer. Qui ça joue là pour y avoir beaucoup de difficultés. Et là, je vais vous expliquer ça verset là pour un hadith qui paraît plus près avec sa ayat Coran. Là, qui le prophète dit dans ce hadith là? Qui le prophète dit? Sa'id al-Khudri dit qu'il m'a fait entendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire Yakshifu Rabbuna an saqihi. Allah ta'ala lui pour dévoile sur les pieds. Yakshifu Rabbuna an saqihi. Allah lui pour dévoile sur les pieds. Ce hadith là trouve dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ça, Allah pour dévoile, nous robe pour dévoile ce sac, ce lipier, fayez djudulahu kullu mu'min wa mu'mina. Chaque croyant et chaque croyante pour tomber de sijda. Quand Allah pour faire ça, cette chose-là, tout croyant et croyante pour tomber de sijda. Wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan. Ban qui da dunya, tu peux faire sijda, pour riya. Juste pour montrer du monde. Sum'atan, juste pour du monde dire qu'il y a un bon du monde. Je veux dire, un hypocrite. Mais qui ne peut pas faire sijda avec sincérité. Ça va là qu'il peut arriver, je pour faire sijda, je. Croyant et croyant pour faire sijda. Hypocrite, pas pour faire sijda.
فيذهب ليسجد ساي بوقيت كي بان فيها سجده لا لي بوي سي في سجده فيعود ظهره طبقا واحدا كان لي بفي سجده سو لي رين سو لي دو بو دريسي لي با بو كاب افير الا بون بيسلي حديث ده صحيح البخاري صحيح مسلم فيجي من من منافق با بو كاب سجده بو الله Sa expression là ici, mal vous facilite, c'est ça qu'Allah peut dire de sa verset là, qui veut dire Allah Ta'ala lui pour dévoiler sur les pieds. À ce stade, il y a une grande discussion dans le passé, dans un petit peu, masla qui dans la masque pas trop bon cause l'eau-là, parce qu'il fait une belle discussion l'eau-là concernant Allah Ta'ala sur ban sifat, sur ban attribut. Est-ce qu'Allah Ta'ala a les pieds? Alors, il y a un ban ça avance, je finis dire non, mais ça ban expression là, c'est ban expression métaphorique. Ne pas accepter les comment il était. Nous besoin faire ta'wil, nous besoin interpréter. Qui fait ce dire laisse ka mithlihi shay, non n'y pas ressembler à Allah. Saban là, ça ban ashari. Ban ashari, je dis nous pas prendre sa ban expression là littéralement. Par exemple, Allah mentionne cela mais dans Coran ou dans hadith, Allah mentionne ce visage. Ban ashari, ça ban ça sec là, je dis nous pas prendre sa ban expression là littérale. Nous avons besoin d'une interprétation, autre qui, ça m'a quelque chose qui nous connaît littéralement comme la main, les pieds, le visage, parce qu'Allah n'est pas ressemblé dans rien. Mais c'est bon, le sunnah dit non, nous acceptons ça m'a un attribut là. Mais nous pas dire qu'il est pareil comme un insan. Par exemple, si Allah mentionne dans un hadith, nous trouvons une mention d'Allah sur la main, nous disons oui, Allah est dans la main, parce que dans le Coran, le hadith, Allah est mentionné. Mais c'est bon, nous pas imaginer la main en djimoun. Les pieds aussi pareil, si nous mentionne les pieds, Allah dans le Coran, ou dans le hadith, nous disons oui, mais Allah est mentionné, nous devons accepter. Mais ne pas dire qu'Allah sur les pieds n'est pas mazindi. Donc c'est un gros débat finina long débat entre ban dans le passé jusqu'à aujourd'hui, ça ban débat là. Alors ça ban qui chose là, comment nous fin dire le sunna j'ai accepté lui comment nous était, comment il était, Allah j'ai yena ça nous accepter, mais ne pas faire vision. Right? Et ne pas rentrer dans ban débat, ne pas plus ce qui s'est passé dans le Coran et dans des types de versets. Dans sourate Ali Imran, quand on commence même pour trouver Allah Ta'ala fait mention qui dans sa Coran là et na ban verset appelle ça ban muhkamat et na ban verset ban mutashabihat. Muhkamat Allah dit ban verset qui clair qui pas une ambiguïté. Allah dit hunna ummul kitab. Ça ban verset là qui clair qui pas une ambiguïté, c'est la maman du livre. Mais dire la majeure partie de ban verset qui est dans le Coran, li clair. Après na ban verset qui mutashabihat. Et là c'est un degré de ambiguïté, nous pas connaître sur réalité. Alors, ça m'a quitté chose là, fallait pas nous retrouver là-dedans, parce qu'il n'y a pas un nouvel égarement, il n'y a pas une nouvelle polémique, une dispute. Alors, nous pas discuter concernant quitté chose là, nous accepter comme Allah Ta'ala dit, nous retourne connaissance appartenir à Allah, nous suivre ce qui est le banu ulama de Ahlu Sunna, fin dire, nous prend les comme il était, et c'est un du monde discuter aussi avec nous, nous pas redemander un débat pareil, parce qu'il y a déjà un tas de problèmes de Ummat là, nous pas besoin de réouvrir la peau de polémique. Il y a des gens qui sont polémiques dans lui, ne pas ouvrir la porte polémique encore, ne pas perdre le temps. Plutôt, nous retournons avec ce qu'Allah Ta'ala peut envier avec nous dans le Coran, ce qui nous gagne iman dans un iman ferme, nous gagne vrai akhida, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Ta'ala fait nous connaître qui le jour du Qiyama, pour une, ban jimoun, qui, comme dans sa hadith, nous trouvait qui, je n'ai pas pourquoi pas faire zizda pour Allah. Donc, nous retournons vers cela. Donc ça hadith là, ben savant qui m'a mentionné dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ben savant fait une service hadith là pour expliquer sa verset là. Donc Allah qui dit yawma yukshafu an saq, le jour que les pieds peuvent être dévoilés, wa yud'auna ila sujud. Et banjimun, mais déjà ici yud'auna banjimun polythéiste, man qui peut refuser croire dans Allah ou bien persuader avec lui, yud'auna ila sujud, je peux être appelé pour faire sujda pour Allah. Fala yastatui'un. Ben là, pas pour capable. Je ne suis pas pour capable faire sujda pour Allah. Parce qu'il y a des dunya, je ne vais pas faire sujda pour Allah. Donc, imaginez, il y a un qiyama, ça, sujda qui nous fait là, c'est un peu différent chez nous, ça. Celui qui partit sincère avec Allah, celui qui a une peine à iman de celui qui est, joue contre Allah pour donner l'ordre pour faire sujda, ban moukmin, ban iman d'art pour faire sujda. Et ben qui peine à iman, pas pour capable faire sujda. Alors, imaginez notre position maintenant. Allah Ta'ala dit, khashi'atan, ça va qui pas pour capable faire sujda là, khashi'a, je te la frayer, khashi'atan absaruhum, je te ligier, moi dire la frayer manifester de ce rigor. Nous connais, ben, du monde, je l'émotion, il paraît beaucoup de ligier. Un du monde, quand il est content, ce visage, ce ligier, surtout, montrer expression de la joie.
Quand l'y paie aussi, pareil, se lisier ouvert gros. Quand l'y choquer, se lisier ouvert gros. Donc, lisier une petite chose qui dévoile nos bons sentiments. Dans beaucoup de places, Allah, Ta'ala fait référence, Allah attribue bons sentiments à lisier. Allah dit, khashi'atan absaruhum. Zot lisier rempli de khushur, c'est-à-dire de crainte. Ça va, ban polythéiste là, dans un moment qu'ils ont pas fait qu'à faire si d'Allah, je te remplis de crainte. En plus de ça, tarhaquhum dhilla. L'humiliation couvée à eux. Je te remplis de l'humiliation. Alors, ça joue là, ça joue de situation. Allah dit, wa qad kanu yud'auna ila sujoud. Ça va là, tu peux inviter eux vers si d'Allah. Wa hum salimoun. Tu peux inviter eux vers si d'Allah. Alors qu'ils ont dit salim. Salimoun veut dire, je te ban membre l'écho, c'est sauf pas tu n'as aucune maladie l'école là tu peux pas t'y paralyser non ni mais d'un moment qu'une des autres fait sida je pas de faire sida alors devant Allah subhanahu wa ta'ala non plus aucun fait sida c'était le jour du qiyama. Donc ça pour montrer nous il y a une différence entre un du monde qui fait sida et d'ailleurs et là ça vient montrer nous aussi l'importance namaz ça vient montrer nous l'importance namaz un de bons savants vient dire il dit aux enfants Adam tu pas réfléchi dans ce sens là. Lo Iblis, Allah fait déjà Iblis fait un sijda pour qui ça là? Un sijda pour Adam alayhi salam. Un sijda de respect, pas ribadat ça. Ça à l'époque, dans ce moment-là, tu gagnes droit. Aujourd'hui, dans le sharia, même sijda de respect, pas gagnes droit. Sijda fait zispoil là. Sijda ribada, ni sijda de respect, pas gagnes fait pour une sainte. Zispoil là. Ça, sijda qui Iblis, ben, on s'y gagne l'autre pour faire, c'est sijda de respect. Iblis, il refuse faire un sijda pour Adam alayhi salam. Les finettes maudites. Asta imaginez un dimon qui n'a pas fait namaz. Allah dit qu'il fait sijda 5 fois par jour. Et lui, 5 fois par jour, il refuse faire sijda pour Allah. Alors, qui se positionne le jour du Qiyama? L'Odunya dit qu'il fait sijda pour Allah, il n'a pas le fait. Asta d'akhirat, est-ce qu'il est capable de craindre sa situation-là? La cause, il y a un savant qui dit un dimon qui abandonne salat. Pas Ban Savant, les bases du hadith, d'ailleurs, sa parole là, Ban Savant vient d'éduire le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Celui qui préserve namaz, namaz a pour venir une lumière, un secours, et une preuve de son iman le jour du qiyamah, qui est burhan, une preuve de son iman. Trois kitseuses. Et de ce hadith-là, le prophète dit servi le mot hafadha. Man hafadha, celui qui préserve namaz. Pas de celui qui fait namaz. Mais dire préserver, veut dire faire les 5 fois par jour et de se lire. Celui qui préserve namaz, veut dire de se lire, il fait les 5 fois par jour. Namaz, ça peut venir une lumière, un secours et une preuve de son iman. Waman lam yuhafidh alayha. Celui qui ne préserve son namaz, il ne peut pas prendre la lumière, il ne peut pas prendre un secours. Et il va prendre une preuve de ce iman. Qu'est-ce que le prophète dit? Il pourrait être ressuscité ensemble avec Pharaon, Haman, Qarun, Umayya bin Khalaf. Quatre djimoun qui plient pire dans l'histoire qu'ils vivent. Pharaon, Haman, c'est dans l'époque Pharaon, Qarun, dans l'époque Pharaon. Ça, trois mauvais djimoun. Et Umayya bin Khalaf, c'est un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient beaucoup dit à l'islam, à un musulman. Ça, du monde qui pas préserve ce namaz là, Allah Ta'ala fait les livres parmi sa bande du monde là. Et la bande savant fait une service à hadith là comme une preuve. Qui? Celui qui pas fait namaz, il vient un kafir. Celui qui pas fait namaz, dit tout. Il vient un kafir. Et là, qui dit, plus dit encore, c'est un autre opinion. Celui qui rate un seul namaz, il vient un kafir. Il y a trois opinions, l'homme masla namaz. Un opinion, celui qui rate un namaz, il vient un kafir. Deuxième opinion, c'est celui qui rate pas fait namaz du tout. C'est lui qui vient kafir. S'il fait un neuf, il est considéré musulman. Et troisième opinion, je ne pas considérer celui qui quitte namaz comme un kafir, mais je dis ce pinichon, je dis ce péché grave. Trois opinions différentes. Mais en tout cas, hadith là, il est vraiment effrayant. D'ailleurs, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tarakaha faqad kafar. Celui qui quitte namaz, il finit tombe dans kufr. Allez, pas le mentionner grand kufr ou bien tu kufr. Il y a deux types de kufr. Grand couf, peut-être, tu peux aller perdre l'islam, y aller. Petit couf, c'est l'ingratitude. Alors, et là, ça veut dire que sa couf qui peut mentionner là, c'est grand couf. Alors, je base là pour dire, celui qui quitte namaz complètement, ou bien, il y en a qui dit une fois, il vient un kafir. Donc, ça pour montrer, frère et sœur en islam, qui, ici, Allah, ça fait la différence entre ban muttaqi, ban qui n'a ta quoi, et ban qui pas fait sijda pour Allah, ban qui pas fait obéir à Allah. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fait nous, vin pas un muttaqi, qui tous les temps,
reste dans l'adoration à Allah, est-ce qu'il quitte sa dunya là? Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.